Incroyable. Hein. Non mais, et Johnny, c'est incroyable. Hein. Ça fait 43 ans que tu fais ce métier. T'as commencé, t'avais 10 ans. Non, c'est pas 43 ans que je fais ce métier. Ça ne fait que 35. Il a commencé à 10 ans, hein, et il n'était même pas né. Pour une partie quand même. Parce c'est que pour tout ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit que de toute façon, peu importe un parti politique de quelle que soit la ville, j'irai chanter pour mon public. Même à Orange. Où que ce soit. Le public compte plus que le parti. Voilà. Alors. Je vous rappelle que la dernière fois que Johnny nous a rendu visite, c'était il y a à peu près un an, et c'était avec son club de bikers, les Desperados. Ouais, vous êtes toujours président du club ? Non, alors je voulais dire un truc ce soir, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les autres clubs, que ce soit les Hells Angels, que j'aime beaucoup, les Bandidos et d'autres clubs que je ne citerai pas, et il y en a beaucoup. Moi, j'ai pas eu vraiment le temps de m'occuper de ce club, parce que j'avais mon métier, je faisais plein de choses, et il y a eu plein de conneries qui ont été faites. Je voulais rectifier ça ce soir, c'est que ce club de moto que je voulais pur et dur est devenu un petit peu un club de fans. Moi, un club de fans, c'est un club de fans, mais pas un club de moto. Donc, j'ai démissionné il y a 8 mois et je voulais que tout le monde sache que je ne suis plus président de ce club. Alors, j'ai pas l'air d'un con, dis-donc. Moi, sur mon disque, j'ai vu une moto plus. Et alors oui, c'est... Oui, mais attends, mais j'ai toujours mes motos, hein. Ah bon, d'accord. Mais, le côté, on se rassemble le week-end pour Boy Scout pour faire une virée, moi, ça me gonfle. Je préfère faire ça avec 3-4 potes. Et les types qui vont déclencher des bagarres dans des bars en disant c'est la bande à Johnny, ça marche pas, ça. Oui, il y a plein de conneries qui ont été faites comme ça dans le genre. Après, c'est les autres qui font les conneries et après, on dit. Ouais, mais c'est Johnny qui est le président, donc ça me retombe dessus. Qu'on sache une fois pour toutes, je ne suis plus président de ce club. Rideau. Rideau sur la moto, le club en tout cas. Hein. Le club. La moto, non, le club, oui. Et il y a 2 ans, presque jour pour jour, c'était la performance au parc. Hein. Il y a 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans et 3 jours. Ouais. Ça, c'est ce que je voulais vérifier. Voilà, pour ça, ça reste quand même un immense succès, quoi. Et un immense souvenir. Moi, c'est un immense souvenir, parce que c'était... C'est quelque chose dans ma vie que je n'oublierai jamais. Bercy, comme j'ai dit justement dans un interview, Bercy, c'est ma résidence secondaire. Bercy, c'était un grand truc. Mais je referais... Enfin, pardon, le parc était un très grand mais truc. Mais je referais le parc ou je referais le nouvel endroit qu'ils vont faire. Mais je le ferai dans 2 ans. Un grand truc. Et pour l'instant, il faut quand même rappeler qu'il y a une date intermédiaire. Tu as reloué ta résidence secondaire à Bercy à partir du 12 septembre. Hein. À partir du 12 Le 11 même, disent-ils, les premiers. Non, non, le 12. Et vous dites le 12 Et vous dites le 12 Bon, le 11. Bah alors, uniquement pour les fans, alors.